Ah ben là, ça fait, en tout cas ça fait plaisir de le voir ici, parce que c'est un mammifère discret qui est des plus intéressants d'observer. Ça fait longtemps que je ne l'avais plus vu de ce côté-ci du bois. Allez, venez voir la trace de mon ami. Alors ce champ boueux est une bénédiction parce que tous les mammifères viennent laisser leur petite trace. Alors je regarde la largeur et j'ai ici 5 cm, ce qui est normal pour une trace de blaireau adulte. Alors de quoi est composée la trace du blaireau? Eh bien, on a ici la pelote plantaire qui a une forme en forme de haricot comme ça. On a une allure générale assez rectangulaire avec divisée en deux. Avec la partie inférieure composée de la pelote plantaire et la partie supérieure avec les autres pelotes qui ont l'air assez alignées. Je vais compter les doigts. A priori, je n'en vois que 4. Mais si je compte les griffes, je vais voir qu'ici, j'ai une griffe en plus qui est la 5e griffe. Regardez, ici, on a un doigt qui marque un tout petit peu. C'est le 5e doigt, c'est le pouce. Et donc, le blaireau, comme nous, a 5 doigts à sa main. Et donc, c'est le doigt qui marque le moins, qui ne marque d'ailleurs pas toujours, parfois on ne voit que 4 doigts, c'est le pouce. Les griffes ici sont assez éloignées, on a plusieurs millimètres entre la fin de la pelote, on voit ici, hein, et la griffe, donc ça c'est une patte avant, avec des griffes bien marquées, puisque le blaireau a besoin de sa patte avant pour pouvoir creuser, la différence avec la patte arrière. Alors ici j'ai donc une belle trace de blaireau, on peut voir la différence entre la patte avant et la patte arrière. La patte avant s'est posée en premier, la patte arrière est venue se reposer sur la patte avant, ce qui fait qu'on a une patte arrière en entier, qui est ici, les pelotes, la pelote plantaire et les griffes qui sont très courtes et assez proches des doigts, et les griffes assez proches des pelotes. Et puis on a ici des griffes un petit peu toutes seules, qui sont les longues griffes qui se trouvent à l'avant de la patte avant. On peut voir ici quand même encore un mince filet, là, qui est vraiment la trace de la griffe qui vient se planter à l'avant. Donc on a la patte arrière et les griffes de la patte avant. Voilà. Maintenant, la trace de blaireau n'a plus de secret pour nous.